Bonsoir à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du soir de ce vendredi 9 septembre 2022 que nous débutons avec la Coupe du Monde 2030. Après l'échec du Maroc pour l'édition 2026 qui aura lieu en Amérique du Nord, les Pharaons songent en tout cas à se positionner en vue d'une co-organisation avec la Grèce et l'Arabie Saoudite. Les trois pays travaillent d'archipied. Le dossier de l'organisation est à l'étude, a annoncé ce vendredi le porte-parole égyptien du ministère des Sports et de la Jeunesse, Mohamed Fawzi, à la chaîne DMC, le pays hôte de la CAN 2019 qui possède de nombreux stades aux normes et de grandes capacités sera l'un des meilleurs pays organisateurs. Deux autres concurrents sont connus, le tandem Espagne, Portugal et le Quator, composé de l'Uruguay, de l'Argentine, du Chili et du Paraguay. La désignation du pays hôte devrait avoir lieu en 2024. Parlons de Nabil Dirar, à 36 ans, il rentre au pays libre depuis son départ de Kasımpaşa en Turquie en février dernier. Le piston droit s'est officiellement engagé jeudi en faveur du Shabab Mohamedia qui a terminé 11e de Botolo Pro la saison passée. Les détails du contrat n'ont pas été communiqués. Il s'agit d'une petite surprise alors que le nom de l'ex-international marocain, 48 sélections entre 2008 et 2019, circulait davantage du côté du Raja Casablanca. Né au Maroc mais parti en 12 ans en Belgique, le natif de Casablanca va ainsi vivre sa première expérience en club au pays. Après Djagemsport, Westerlo, le club Bruges, Monaco, Fenerbahçe et Kasımpaşa, il s'agira du 7e club de sa carrière et d'une véritable attraction dans le championnat marocain. Un pas auprès du président de la FIFA, Gianni Infantino, qui a adressé un message de soutien à Sébastien Allaire. Je tiens à vous adresser au nom de la communauté du football international et en mon nom propre mes meilleurs voeux pour un prompt et complet rétablissement en espérant vous revoir en pleine santé très bientôt, a écrit Gianni Infantino dans des propos relayés par FIFA.com. L'attaquant ivoirien en a profité de l'occasion pour faire part de ces nouvelles et remercier les uns et les autres pour leur message de solidarité. Je vais très bien, le traitement se passe bien et j'ai la chance de pouvoir m'entraîner quotidiennement. Ça a été un choc, mais positif. Je n'aurais jamais pensé susciter autant de réactions et de compassion et pas que du monde du football. Ce sont des choses qui nous réunissent tous et qui m'ont donné énormément de force pour affronter cette épreuve, que ce soit les Ivoiriens, Hollandais, Français, Allemands, Anglais ou peu importe, toutes les personnes qui m'apportent leur soutien de loin ou de près sont une source d'énergie pour ma famille, mes proches et moi. Donc ce que je peux dire, c'est que je ferai tout mon possible pour revenir le plus vite possible et être décisif pour mon club et mon pays, a laissé entendre Sébastien Allaire. Et nous voici arrivés à l'instant quiz avec trois indices qui vont vous permettre de connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis une star mondiale qui a gagné la Ligue des Champions. Deuxième indice, je suis né dans un village. Troisième indice, j'ai joué au FC Metz. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nous continuons avec l'hommage de Cristiano Ronaldo à la reine Elisabeth II. Depuis hier soir, le Royaume-Uni pleure la reine Elisabeth II, décédée à l'âge de 96 ans. Une figure mondiale emblématique pour laquelle de nombreux hommages sont actuellement rendus, y compris dans le monde du football où la Premier League a indiqué que la 7e journée avait été reportée. Les stars du championnat britannique se sont également exprimés comme Cristiano Ronaldo. J'ai passé 7 ans de ma carrière en Premier League, ce qui en fait ma 8e saison en Angleterre. Tout au long de ces années, j'ai ressenti l'amour éternel du Royaume-Uni pour sa reine et à quel point sa majesté a été et restera pour toujours importante pour le peuple britannique. Je respecte sa mémoire et je pleure cette irremplaçable perte avec le pays que j'ai appris à appeler chez moi. Mes pensées et prières vont à la famille royale, a écrit Cristiano Ronaldo sur son compte Instagram. Et on termine avec le Paris Saint-Germain qui doit faire face au stade Brestois demain samedi à 17h. Une nouvelle victoire assurerait la première place au classement au club de la capitale et lui permettrait d'enchaîner les rencontres avec confiance, car trois jours après le succès face à la Juventus et à la veille de la réception des Brestois, les Parisiens n'auront pas le temps de souffler en se rendant à Haïfa dès mercredi prochain pour y défier le Maccabi en Ligue des Champions. De quoi obliger Christophe Galtier à intervenir immédiatement. Une nouvelle fois, la relation Neymar et Kylian Mbappé est très bonne et je ne fais pas de langue de bois. Ils sont associés dans les
les exercices et les échauffements à l'entraînement, assure le coach parisien en conférence de presse à la veille de cette 7e journée de Ligue 1, où les deux stars seront très probablement une nouvelle fois alignés d'entrée. Il a ensuite rembobiné le film de cette action si discutée contre la vieille dame. Il y a eu cette situation de match, je pense que Kylian en a parlé avec Neymar. Pour en avoir parlé avec Kylian, il y a deux temps dans les actions. L'action où il y a la possibilité de donner le ballon et le deuxième temps où il fait la différence dans la surface et ne voit pas Neymar. Il y a deux secondes pour prendre une décision et Kylian Mbappé est focus sur le ballon pour frapper. Je suis convaincu qu'il fera des passes décisives à Neymar comme Ney est capable de faire des passes à Kylian Mbappé. Je n'ai rien ressenti depuis le match de négatif par rapport à cette action de jeu. Circuler, il n'y a rien à voir, a déclaré Christophe Galtier en conférence de presse. Et nous voici arrivés au terme de ce journal du soir. Merci de nous avoir suivis et restez connectés pour la suite de nos programmes.